Toujours rien. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Des runes! Je peux les lire maintenant! C'est la réponse. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Bref, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Pensais qu'un pont apparaîtrait. Le test des géants n'est pas terminé. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. C'est mieux, non? Il faut descendre avant de monter, on dirait. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, t'es sérieux? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les uldres. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde, alors? Ouais, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui. Oh.
comment tu savais que c'était là? J'ai même pas fait d'effort. D'autres regards. Atreus. D'accord. Attends, laisse-moi lire ça.
Oh, regarde tous ces corps. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, on dirait des hommes, pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors, tu vois les pièges ? Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. La statue ! On est arrivé ! Qu'est-ce que ça dit ? Oui, père. Oh, c'est Durathror, un des quatre serfs de l'Arbre-Monde. Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. Tu crois qu'il est encore là ? Je ne sais pas. Atreus. Viens. J'ai déjà vu ce langage. Cherchons un accès. Le plus haut pic des royaumes. Tu crois que Mer savait que c'était la montagne des géants ?
Non. Sa requête s'est révélée plus compliquée qu'elle aurait pu le prévoir. C'est un nom, je crois. Raezlir. Ça veut dire terreur. Qu'est-ce que c'est ? Bizarre. C'est une bougie entièrement entourée de cordes et d'une espèce de peau de bête. Une sorte de lanterne. Y a pas de mèche. On n'en a pas l'utilité. Le Bifrost éclaire la voie.